soyons justiciers. Contre-attaque. Oh, j'ai trop hâte qu'on soit ce soir pour notre entraînement. Les nouveaux pouvoirs qu'on a eus grâce à Pija Robot sont super. Yo-yo, Ligoto. Bibou, mille plumes. Glu-glu, boucli, écaille. Bang. Wouhou. Hein? Qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien. Mais si c'est un méchant qui manigance quelque chose, il aura affaire à moi. Et à moi aussi. Et à moi aussi. Pija Mask, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter le terrible méchant. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... devient... Glu-glu. Sacha devient... Yo-yo. Les Pijamas. Wow, je sens déjà mon yo-yo Ligoto prêt à entrer en action. On est super au point. Wouhou. C'est grâce à toi qu'on a ces nouveaux pouvoirs. Mais maintenant, c'est à nous de jouer. Yo-yo, Ligoto. Cool, non? Bibou, mille plumes. Dans le mille. Ça, c'est vraiment du super pouvoir. À ton tour, Glu-glu. Glu-glu, boucli, écaille. Trop génial, non? Le super pouvoir le plus cool, c'est moi qui l'ai. Le top, ce serait de les essayer dehors, non? Oh oui, il y a des méchants dans le coin, Pija Robot. Ça nous laissera le temps de nous entraîner. Tous au chabolide. Excellent travail, robot espion. C'est le moment de lancer mon plan pour vaincre les pyjamas une fois pour toutes. Yo-yo, Ligoto. Bibou, mille plumes. Glu-glu, boucli, écaille. Je me trompe? Ou ce sont les pyjamas casse-pieds en personne? Roméo, qu'est-ce que tu fabriques? Comme d'habitude, je prépare un plan machiavélique. À ta place, je ferai attention, parce qu'on a de nouveaux... gadgets, comme des rayures brillantes, des plumes colorées et des écailles gluantes. J'allais dire de nouveaux pouvoirs. Comment ça se fait que tu sois déjà au courant? On s'en est pas servi contre toi. Enfin, pas encore. Nous, les méchants, nous avons nos propres systèmes de renseignement. Robot, attrape-les! Par lequel dois-je commencer, maître? Oh, je ne sais vraiment pas qui choisir. J'ai envie de voir tous leurs nouveaux pouvoirs en action. À l'attaque! Prends garde aux griffes de robot. Non, toi, prends garde. Ouah! Qu'est-ce que tu en dis, Roméo? T'as encore rien vu? Moi, je vais lui donner le tournis. Arrête, ça fait des guillis, à l'aide. Et pour finir, je te présente mon boucli écaille. Oh, à l'aide. La prochaine fois, vous ne m'échapperez pas, les pyjamas. Oui, attendez-moi, maître. Et tout ça, grâce à mon super yo-yo Ligoto. Non, plutôt mes mille plumes. Mais non, ce sont mes boucliers écailles qui l'ont fait fuir. Et d'ailleurs, allons voir s'il n'y a pas d'autres méchants.
Blanc, Bobo, Maître, avez-vous vu ce que font leurs nouveaux pouvoirs? Je n'ai pas perdu une miette de ce spectacle fascinant. Je peux passer à la suite de mon plan maintenant. Pardon. Ce sera vraiment la plus puissante de vos inventions, Maître? Absolument, mon ami métallique. Et elle sera pour toi tout seul. Oh, chouette. Encore, Roméo? Qu'est-ce qu'il manigance? Ha! Les pyjamas masques! Vous arrivez juste au bon moment. Préparez-vous à perdre. Moi, je me prépare à régner sur le monde! Dans tes rêves, t'as oublié qu'on avait de nouveaux pouvoirs? J'ai juste oublié de vous présenter la ceinture multipouvoir de Robo. Oh, Maître, elle est trop belle. Ça me donne du style, non? Ça te donne surtout de la force. À l'attaque! Tu ne feras quand même pas le poids face à mes boucliers! Serpent rampant! Wow! Oh! C'était le désactivateur ultrasonique. Très pratique, Maître. T'en fais pas, Glugli. Yo-yo, ligoto à la rescousse! L'alourdisseur à neutrons. Oui, Maître. Non! Robo adore. Ah oui? On va voir si t'adores mes plumes. Ta-da! Ta-da! Le ventilateur anti-plume. Efficace, ma ceinture multipouvoir. Et surtout, très confortable. Tu as bloqué nos nouveaux pouvoirs. Alors qu'ils sont super. C'est ce que tu dis tout le temps. Je sais déjà tout ça grâce à mon fidèle robot espion. Il a tout enregistré. Les nouveaux pouvoirs qu'on a eus grâce à Pyja Robot sont super. Hein? Le même refrain, jour et nuit. C'est mon pouvoir le meilleur. Non, c'est le mien, regarde. À force de le répéter, vous m'avez donné l'idée de mon plan diabolique. Quelle idée? La meilleure, envoyer Robo au combat pour observer vos nouveaux pouvoirs en action. Grâce à cela, j'ai eu tous les éléments nécessaires pour fabriquer la ceinture multipouvoir. Glu-glu méga muscle. Nos anciens pouvoirs ont disparu aussi. Je n'arrive pas à le croire. Roméo a gagné. Oh, tu peux répéter? Pas la peine, Maître. Je l'ai enregistré sur mon nouveau dictaphone. Roméo a gagné. Ah, depuis le temps que je rêvais de l'entendre. Vous pouvez m'appeler Roméo le génie. Ah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je vais... Roméo a gagné. Passez l'enregistrement en boucle pour fêter ma victoire. Je vais planter partout des drapeaux avec ma photo. Et je vais obliger tout le monde à porter une blouse blanche comme moi. Et encore plein d'autres choses. Ne m'oubliez pas, Maître. Oh, il a fait fort avec sa ceinture. Il n'arrête pas de le répéter d'ailleurs. Nous aussi, on a beaucoup parlé de nos nouveaux pouvoirs. Et c'est à cause de ça que Roméo a... Hein? Pyja Robot. Tu ne pourras pas, parce qu'elle est incassable. Finalement, on ne s'en est pas bien servi de nos nouveaux pouvoirs. J'ai l'impression qu'il a un plan. Hein? Il est génial, son plan. Ici ou bien là? Très joli, Maître Roméo le génie. Oui, tout va changer maintenant que c'est moi qui commande. Je vais rajouter un drapeau. Pas si vite, c'est pas cette cage qui nous empêchera d'interrompre ton plan. Ne soyez pas ridicule, les pyjamsters. Là-dedans, vous ne pouvez rien contre moi. Robo, tu le rappelles? Roméo a gagné, gagné, gagné. Oui, mais c'était grâce à ta ceinture qui ne fera pas le poids contre la... Contre le pouvoir secret de Pyja Robot. Ne me dites pas que vous comptez me battre avec ce tas de boulons, alors qu'avec vos nouveaux pouvoirs, vous avez échoué. Nos nouveaux pouvoirs? Ah, ces gadgets. C'était vraiment rien. Surtout comparé au pouvoir secret de Pyja Robot, rien ne lui résiste. C'est ce qu'on va voir. Robo, à l'attaque! Oui, Maître. Attendez, c'est pas un pouvoir secret. Il est rapide, c'est tout. Arrête de bouger. Hé, mais où est-ce qu'ils vont comme ça?
si cette cage est incassable, alors... Pas besoin de nos pouvoirs. Ça roule. Multi-pouvoir à la rescousse. Tu sais, elle peut contrer nos pouvoirs l'un après l'autre. Mais elle ne peut rien si on unit nos forces. Bibou, mille plumes. Maître, alourdisseur à neutrons activé. Robot se sent lourd. Très, très lourd. Yo-yo, rapido. Quelqu'un a perdu sa ceinture. On va la ramener à notre QG, où elle sera bien gardée. Oh, mais elle m'allait tellement bien. Je vous aurai un jour, les Pyjaminus. Vous et vos rayures brillantes, vos plumes colorées et vos ridicules écagluantes. Il peut se moquer, mais il a oublié le plus important. C'est-à-dire agir ensemble et rester soudés. Sans cela, ça ne sert absolument à rien d'avoir de nouveaux pouvoirs. Attendez-moi, maître. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Sorceline et la lune cassée. Alors là, non! Zoézap ne ferait jamais équipe avec Mélodie la chipie. Franchement, Zoézap est une super héroïne, alors qu'il n'y a pas plus méchant que Mélodie. Zoézap avait sûrement besoin d'un coup de main. Elle n'a besoin de personne. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Fais-moi voir. On dirait une sorte de météorite. Qui se balade dans l'espace? Non, c'est pas une météorite, c'est certain. C'est bizarre. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Blu-blu. Sacha devient... Yo-yo. Les Blu-jamas. Qu'est-ce que tu dis? La lune est en train de se casser? Sûrement un coup de sorceline. Il faut aller voir. Pyjarobot, prépare-toi à changer le QG en aérototem. Pyjamasque, direction la lune. Hein? Hmm? Tiens, je ne savais même pas qu'on avait une sonnette. Mais sorceline? Mais si sorceline est sur Terre, qui est sur la lune? Voyons ce qu'elle veut nous dire. Sorceline, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, enfin! Vous en avez mis du temps pour répondre, les Pyjalimas. Regardez, il y a un problème avec la lune. Oui, on a vu, mais on pensait que c'était toi. Non. Mais je suis sûre qu'il n'y a que moi qui puisse la sauver. Donc, j'ai besoin de récupérer mon cristal. Le cristal qui te donne des pouvoirs surpuissants? Ça va pas être possible, non? Mais la lune court un terrible danger. Réfléchissez. Ne t'en fais pas, on va s'en charger. Emmenez-moi avec vous, je vous aiderai. Oh! Elle se casse de plus en plus. J'ai pas confiance en Sorceline. Moi non plus. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'elle dit la vérité. Sans compter que personne ne connaît la lune aussi bien que Sorceline. Gluglu a raison. Si la lune est vraiment en danger, elle pourrait nous aider. Oh. C'est d'accord. Tu peux venir avec nous. Oui, mais on t'aura à l'œil. Oui, entendu. Laissez-moi entrer. Chacun à son poste. Paré au décollage, compte à rebours, 3, 2, 1, décollage. Ok, Pyjarobot, commence la transformation du QG, pleine puissance. Thank you.
d'atterrissage? Dites, il était là la dernière fois ce cratère? C'est pas un cratère, c'est un trou creusé par quelqu'un. Il est vraiment profond. Vous entendez? Oreille de chat, quelqu'un est bien en train de creuser en bas. Robot doit trouver le cristal de lune pour mon maître. Ah! Je me demandais si les pyjaminus allaient pointer le bout de leur nez. Roméo? C'est toi qu'on a vu voler jusqu'à la lune? Oui, j'ai simplement rajouté quelques fusées à propulsion à mon labo et hop, me voilà sur la lune. Il ne me reste plus qu'à trouver un cristal. Grâce à ça, je pourrai rendre mes gadgets surpuissants et devenir le maître du monde. Bonne idée, maître. Mais tu vas détruire la lune, Roméo. Ma lune adorée que j'aime tellement. T'inquiète, je suis sûre que Robo ne va pas tarder à trouver un cristal de lune et ensuite, il arrêtera de creuser. Mais pour le moment, on continue. Hein? Pigeon Robot dit que la lune se casse de plus en plus. Je peux la réparer. Donnez-moi simplement mon cristal avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi. Sauf que la dernière fois que tu l'as eu, tu nous as enfermés dans des prisons de cristal. C'était pas pareil. Tu trouves? Moi, je n'y crois pas du tout. Moi? Glu-glu, essaie d'empêcher la cassure de s'agrandir. Bibou, empêche Robot de creuser. Je me charge de Roméo. Ça suffit maintenant. À nous deux. Oui, c'est ce qu'on va voir. Wow! Mes pouvoirs s'affaiblissent. J'ai besoin du cristal. Retombe toujours sur ses pattes, Roméo. Terminé, Robo, c'est confisqué. Ma belle. Oh, comment je vais faire maintenant? J'aurais dû m'en douter. J'ai trouvé la cassure. Glu-glu, main collante. Maintenant, je n'ai plus qu'à rapprocher les deux côtés. Glu-glu, méga muscle. Il faut à tout prix que j'empêche Robo de creuser. J'ai une idée. Bibou, Milplume. Oh non! Maître ne va pas être content. Ça devrait être suffisant. Allons voir où en sont les autres. Tiens, Robo ne creuse plus. Quoi? Robo, recommence à creuser immédiatement. Désolé, maître, je ne peux pas. Non! Mais j'y étais presque. Bien joué, Bibou. Où est Sorceline? Oh non! On doit l'arrêter tout de suite. Sorceline, reste où tu es. Vous ne comprenez pas. Je vous dis que je suis la seule à pouvoir réparer la lune. Il me faut juste... Oui, on sait. Il te faut ton cristal. Non, c'est hors de question. On va s'en charger. Dites, je peux avoir un coup de main? C'est encore moi, allez, Super Zéro. Je voulais vous prévenir quand j'ai neutralisé les Bibou Mille Plumes. Robo ne devrait plus tarder à trouver un cristal. À plus. Je sais que vous voulez vous en occuper, mais Roméo est sur le point de détruire la lune. Donc... Elle a raison. On n'arrêtera pas Roméo sans son aide. Qu'est-ce que vous en dites? À ton tour d'être un vrai héros. Je vais tout réparer, je vous le promets. Et tu nous rendras le cristal après. Oui, oui, c'est promis. Je vais faire diversion. Tu ne m'attraperas pas, Roméo. Toi aussi, tu m'as manqué mon précieux cristal. C'est à nous de jouer. C'est parti. Ha!
bip, hurrah. Maître va être très content. Oh oh, ça s'effondre. Aïe. Il faut sortir d'ici. Hé, hey, ça fonctionne. L'ouverture se referme. Oh, non. Robot, continue de creuser. Trop tard, il n'y a plus de cristal. Désolé, maître. C'est vrai? Elle est refermée en entier? Ouais, bien joué, sœur Céline! Non, non, non! Zut! Et dire que j'étais à ça de trouver le cristal! À ça! Tu peux lui dire adieu une fois pour toutes! Oui, et c'est à cause de vous! Et de sœur Céline! Hein? Tu as réussi! Tu as sauvé la lune comme tu l'avais promis! Joli travail! Si vous saviez combien j'aimerais garder ce cristal... Mais je vous ai fait une promesse. Si vous n'aviez pas été là, la lune aurait été détruite et ma forteresse avec. Alors je vous le rends. Merci, sœur Céline. Et pardon de ne pas t'avoir fait confiance dès le départ. Oh, je ne t'en veux pas. Après tout, je suis une méchante, pas vrai? Hé! Hey! Oh, comme c'est touchant. Si vous continuez, je vais pleurer. Mais grâce à mon cristal de lune, je serai le maître du monde. J'imagine que vous refusez de vous rendre. 4 contre 1, c'est pas du jeu. Un jour, je réussirai à trouver un cristal de lune, rien qu'à moi. Contente que la lune soit saine et sauve. Merci. Non, merci à toi. La prochaine fois, on refait comme avant. Moi, contre vous trois. Quand tu veux. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Suivez-moi, les enfants. Oh, chouette! J'adore quand la classe visite le musée. Il y a tellement de choses à voir. Oh. Oh. Bien, Greg. Il y aura peut-être de nouvelles statues de chat cette fois. Ou encore mieux, des statues de hibou. Attendez. C'est fermé? Apparemment, le musée a été cambriolé. Quelqu'un a volé plusieurs objets anciens de grande valeur. Le temps que le musée mène l'enquête, ça va prendre la journée entière. Mais pas la nuit. Alors à nous de jouer. Pyjamasque, on a... Attends. Hein? Oh, oh. Une étoile collante et rebondissante. C'est sûrement un coup de... Ninjaka. Bien vu, Greg. Merci. Alors, où est-ce qu'on en était? Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Quelque chose, Pija Robot. Des ninjas zouaves. Et... Ah ah, des étoiles collantes. Décidément, Gluglu, tu as l'œil pour les repérer. Oh, tu trouves? Hein?
voir ça d'en haut. Tous à l'astro hibou. Attendez, il y a un petit problème. Hein? Nom d'une plume, l'astro hibou est coincé. L'étoile empêche le véhicule de Bibou de sortir. Pourquoi? Oreille de chat. Ça vient du musée, allons-y. Remets tout de suite ces œuvres à leur place. Dans ce musée plein de poussière. Mais si je la remets, vous ne pourrez pas voir ça. Tir d'étoile. L'étoile a rebondi. Hibou Vision. Ninjaka a volé une statue et elle est toute collée. Il a tout prévu depuis le début. Vous ne trouvez pas qu'elle est beaucoup mieux maintenant? Non. Mais si. Regardez tous ces jolis motifs en forme d'étoiles. Et vous avez vu avec quel talent j'ai réussi à lancer ces étoiles collantes de mon avion. Les œuvres d'art du musée. Les ninjas oies vont les éparpiller dans toute la ville. Ninjaka va toutes les engluer. Préparez-vous à assister au plus grand lâcher d'étoiles collantes de tous les temps. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêt de repasser une journée au musée. À la place, vous pourrez admirer mes œuvres engluées dans tous les quartiers de la ville. Moi. Il a raison, on peut dire adieu à nos visites au musée. Ne vous en faites pas, on va arranger ça. Tu as dit que j'avais l'œil, non? Bibou, rattrape-le en volant. Toi, Yo-Yo, cours-lui après. Oreille de chat. Direction la montagne mystérieuse. Suivez le plan comme prévu. La montagne mystérieuse? C'est là qu'ils vont. Tout ça fait partie du plan de Ninjaka. Mais c'est ici qu'il lâche les étoiles collantes. Comment tu sais qu'il a un plan? Je l'ai entendu. Ah oui? Oui, Ninjaka vient de le dire. Peut-être qu'il fait ça juste pour brouiller les pistes. Tu vois, les ninjas oies vont vers le portail. Il faut que tu les suives. Moi? Mais... Non, on doit l'empêcher de tout engluer. Bibou va essayer de l'arrêter dans les airs et moi au sol. Toi, tu dois trouver ce que les ninjas oies mijotent. Oh, bon, comme vous voudrez. Yo-yo, rapido! Bibou, aile de la nuit. Et c'est parti! Wouhou! Serpent rampant. Eux, ils vont arrêter le super méchant et je dois me contenter de surveiller les ninjas oies. Oh. Yo-yo, rapido! Aïe! J'espère que je ne monte pas tout là-haut pour rien. Bibou, tornado! Tu as arrêté mon étoile? Ça devait être une super œuvre d'art. J'ai l'impression qu'il abandonne. Oh non! Et moi qui voulais engluer ce vieux chat! Il a des idées bizarres, non? Lui, au moins, il n'est pas en train d'escalader une montagne sans savoir pourquoi. Hein? Un autre avion? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, tout va bien. Mais je ne vois pas du tout ce que je fais ici, à part faire rire les ninjas oies. Ils sont peut-être en train de dire des formules magiques pour faire accélérer l'avion. Ou peut-être qu'ils font diversion pour m'éloigner de Ninjaka, pour m'empêcher de vous aider. Ce sont des ninjas oies. Ils ont forcément quelque chose derrière la tête. Je dois te laisser. Oui, moi aussi. Yo! Yo, ligoto! Ouais! Hein? Bibou, tornado! Hein? Raté, ninja! Hein? Où est-ce qu'il est passé? J'en étais sûre. Il ne prépare rien du tout. Hein? Bon, d'accord, il prépare quelque chose. J'ai rien dit. Oh! Faites-moi descendre! Oh! C'est n'importe quoi, je suis un héros. C'est Ninjaka que je devrais poursuivre, pas vous, les ninjas zozo. À la prochaine.
Oui, je te reçois 5 sur 5. Copilote Ninja Zouaf, sors tout de suite le livre des antiques plaisanteries ninja. On vole assez haut? On vole assez vite? Et est-ce que j'arrive à voler aussi bien que mes ancêtres ninja? Oh, c'est pourtant facile! La réponse est oui! Que la magie ninja commence! C'est l'heure d'activer... la montagne mystérieuse! Oui! Génial! Bon, je redescends de la montagne, les copains. Gardez-moi quelques étoiles collantes à décoller, c'est d'accord? Ninjaka est parti. Ah, oui, je crois qu'il a fait demi-tour. Quoi? Vous avez réglé les tracas sans moi? Non, tu as fait ta part. Les ninjas doivent préparer quelque chose, j'en suis sûre. Non, ils n'ont fait que s'amuser. Et moi, je n'ai fait que perdre mon temps. Alors que j'aurais pu vous aider. Quoi? Ninjaka? Corde collante! Tu ne t'en tireras pas comme ça! Si! Je compte bien lâcher cette magnifique étoile collante sur le musée et personne ne pourra plus le visiter. Quand les gens verront ça, ils se rendront enfin compte que je suis le plus grand de tous les ninjas et le plus méchant de tous les méchants! Non! Bibou! Yo-Yo! Ninjaka! Une grosse boule! De quoi tu parles? Il veut engluer le musée! Le musée entier? Tout est complètement de ma faute. Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter. Ne t'en fais pas. Viens, rejoins-nous, on va réparer ça ensemble. On va avoir besoin de ta méga force. Non, c'est trop tard. À moins que je ne trouve une idée. Le bouclier caille! Oui! Oui, c'est bon, grimpe! Je suis désolée, les copains. J'aurais dû vous écouter. J'ai vraiment tout gâché. Le plus important, c'est d'essayer de rattraper ces erreurs. T'as dévalé toute la montagne pour arriver à temps. Et c'est maintenant qu'on va avoir besoin de tes glu-glu méga muscles. Larguez les amarres! On est poursuivis. On sait d'avance où cette étoile va aller. Direction le musée. Tu peux m'y envoyer? Chatapulte! C'est parti! Je vais rattraper mon erreur! Yaha! C'est l'heure d'être un vrai héros! Hein? Encore toi? Comment tu as rêvé ici aussi vite? Glu glu méga mus! Bibou tornado! J'ai la tête qui tourne! Arrêtez! D'accord. Mais maintenant, c'est à toi de réparer ce que tu as fait. Tu vas remettre les œuvres d'art en place. Ah, d'accord. Et voilà, ils sont en train de tout remettre au musée. Bien joué, les pyjamasques. Je me demande ce qu'est devenue l'étoile collante géante. Elle était vraiment énorme. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Bibou. Je l'ai renvoyée d'où elle venait. On crie hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Les pyjamasques et le Roméo manège! Elle était là hier pourtant! Dites les enfants, vous n'auriez pas vu la tablette de la classe? Bon mince, mon lecteur de musique n'est plus là! Le mien non plus! Moi, c'est ma montre numérique! Et moi, ma console de jeu! C'est toi qui as le chargeur de ma tablette? Non, mais chez nous aussi, plein d'objets ont disparu! Nous, on connaît quelqu'un qui adore les gadgets électroniques! Roméo! J'en mettrai mes plumes à couper. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Sacha devient...
Qu'est-ce qui ne va pas, Pigeon Robot? L'ascenseur aussi est cassé? Mais, et les autres pigeons véhicules? Et regardez, le cristal de notre QG, il n'a presque plus d'énergie. S'il n'a plus d'énergie, on n'a plus de pouvoir. Qu'est-ce que je disais? Mes oreilles de chat bourdonnent. Mes mains ne collent plus à rien. Qu'est-ce que c'est? J'ai quand même cru entendre que ça venait de dehors. C'est bien ça? Transfert d'énergie en cours, maître. Alors augmente la vitesse. Je veux toute cette énergie pour moi. Qu'il ne reste rien. Je savais que c'était toi, Roméo. Et donc tu t'es servi des gadgets que t'as volés pour nous prendre nos pouvoirs. Rends-les-nous. Là-haut, regardez. Robot, tu viens? Robot, mets le transfert sur pause. Yo-yo, rapido. Mon yo-yo rapido, je l'ai perdu. Tu vas le récupérer. Surveille le QG, Pigeon Robot. Je n'ai pas eu le temps d'aspirer toute l'énergie. Oh, pauvre maître. Mais qu'est-ce qui se passe? L'énergie du QG. Il y en a trop pour mon labo. Il va exploser. Vite, saute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les piges à pouvoir. Ils se sont transformés en bulles et ils s'échappent. Attrape-les, qu'est-ce que t'attends? Je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. Aide-moi à trouver une solution. On n'a qu'à essayer de les gagner au jeu de la foire pour s'amuser un peu. Des jeux? S'amuser? Eh, mais c'est pas bête. Ton petit cerveau n'est pas si rouillé que ça. Merci, maître. Pour les pyjamas et les autres méchants, ça ne devrait pas être difficile d'attraper ces bulles. Et je suis sûr et certain qu'ils seraient prêts à tenter leur chance. Mon ami métallique, j'ai un plan diabolique. Où est-il passé? Je n'ai pas l'habitude de parcourir la ville dans tous les sens sans mes pouvoirs. C'est fatigant. Hein? Scarlo, regarde où tu mets les pattes. La foire, les belles lumières. Ouh! Et les sacs à puces, j'y serai avant vous. Quelle foire! Quelle belle lumière! Tiens, 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 qui voilà? Les pigeons à casse-pieds? Sarceline, qu'est-ce que tu mijotes? C'est quoi ces bulles? Vos pigeons à pouvoir, pardi! Ils sont tellement puissants qu'ils ont débordé de mon petit labo et sont venus s'éparpiller ici. Quoi? Nos pigeons à pouvoir? Papy Nuit, attrapez-les! Papy Nuit? Vous les admirerez après! Laisse tomber, Sorceline. Ce sont nos pouvoirs à nous. Oh, dommage. J'aurais tellement aimé les avoir. Mais c'est moi qui les attraperai. Trop fastoche, même sans l'aide de mes ninjas soi. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont? Ils s'entraînent sur la montagne mystérieuse. Mais peu importe. Parce que c'est à moi qu'on doit donner les piges à pouvoir. Non, à nous. Oh, farfelou. Oui. Mais non, à nous. À moi. Un peu de silence. Si vous voulez ces pouvoirs, il faudra les mériter en les gagnant au jeu. Et sans tricher, j'espère que vous êtes prêts à jouer le jeu. C'est pas du jeu, justement. Ces pouvoirs, tu les as volés. Que la fête foraine commence. On va essayer les anneaux. Vous êtes prêts? Yep, yep. Aïe! Des noix de coco? Ça marchera mieux que les papy nuits. Pour le lancer de noix de coco, rien ne vaut la précision d'un maître ninja. C'est la catastrophe! Tout le monde veut nos pouvoirs! On ne les laissera pas les attraper! À nous de jouer! Allez, venez, on continue! Yeah! Je sens que mes pouvoirs commencent à revenir. Ramène toutes les bulles au QG pour qu'on récupère nos pouvoirs aussi. Pigeon Robot, tu peux recharger le cristal. Je reviens avec les bulles qui restent.
rien comme mes ninja zozo. Oh, et une magnifique interception de Yo-Yo. Oh, il manquait plus que ça. Ils jouent sans se rendre compte que c'est moi le maître du jeu. Maintenant, je vais leur montrer que moi aussi je sais m'amuser. Alors, par qui je commence? Parfait. Merci. Allez, bougeons, laissez-moi. Oh, robot, tu les vois aussi, les bulles de pige à pouvoir au-dessus du grand 8? Ramène-les-moi. C'est nous qui allons les attraper. Je crois que mon yo-yo Ligoto est revenu. Super, mais où sont passés tous les autres? C'est vraiment très serré. Comme ça, on est bien protégés. Yo-Yo Ligoto! Yo-Yo récupère tous les pouvoirs des pyjamasques. Il invente un nouveau jeu de fête foraine, le Ligoto Lasso, pour décrocher le gros lot. J'aimerais quand même savoir où sont les autres. C'est moi ou là on accélère? Je crois que ce n'est pas juste une impression. Regardez. Oh non, Roméo nous a piégés. Toutes les attractions sont truquées. Arrête le manège, Roméo. On veut descendre. C'est votre fête ce soir, les pyjanouilles. Vous pensiez avoir une chance d'attraper ces bulles. Vous vouliez tellement récupérer vos pouvoirs. Et c'est ça qui m'a permis de vous capturer. Vous ne vous êtes pas méfié de mes anneaux électriques, ni de mes noix de coco volantes, ni de mon Roméo manège. Mais alors, ce ne sont pas nos pouvoirs qui t'intéressent, moi? Bien sûr que si. Mais je pourrais en faire ce que je voudrais maintenant qu'il n'y a plus personne pour m'arrêter. Plus personne pour t'arrêter? Et les ninjas doivent alors? Sans Ninjaka, ce sont des incapables. Je confirme. Et Tatou Rotom, tu l'as oublié, lui? Oui, c'est vrai, maintenant que tu en parles. Bah alors, il y a une fête foraine et on m'a pas prévenu. Oh, waouh, des ballons. Oui, monsieur Muscle, de jolis ballons gonflés avec de l'hélium surpuissant. Comment on a pu tomber dans ce piège? On pensait tellement à récupérer nos pouvoirs qu'on n'a pas regardé ce qui se passait autour de nous. Et si au lieu de faire la guerre aux méchants, on faisait équipe avec eux contre Roméo? Il nous reste encore un peu de nos super pouvoirs. C'est l'heure d'être de vrais héros. Bibou Miplume! Hé, les pyjatrucs nous ont aidés. Au secours! Yo-Yo Ligoto! Bibou Miplume! Génial, le coup du tapis volant! Et pour les noix de coco, retour à l'envoyeur! Robot, fais quelque chose! Oui, maître! La fête est finie pour toi! Et comment? Donne la télécommande! Bon, d'accord, pas la peine de se fâcher. Faisons ce que tu veux. Maintenant qu'on ne roule plus aussi vite, on va enfin pouvoir profiter de ce grand 8. Merci tout le monde pour le coup de main. Nous? On les a aidés? Évidemment, j'ai agi en véritable héros. C'est vrai que tu as tout fait pour nous libérer. Pas comme les papis nuits. Gardez-la. De toute façon, tout est fichu maintenant. Bon allez, pige à pouvoir, on rentre au QG. Content de vous revoir, Gluglu Mégamuscle. Je suis de nouveau rapido. Plus besoin d'aller à la foire pour faire la fête. Pyjamasque, on crie hurrah.